Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment nous y est? Nous saluons tout là, cap garde soir mercredi 19 janvier 8h30 du soir. Nous avons un nouveau format dans le show Innovation Zone. Nous avec Dr Naomi Blémio qui lui-même c'est lui-même qui va découvrir le show à soir parce que à soir nous allons parler d'un sujet côté son spécialiste là dedans parce que son expert comptable. Et ici dans Miami, donc il va parler de ça. Mais avant, maintenant que nous parlons de l'innovation, nous allons l'autre format, nous allons prendre une question à soi. Donc, un peu de monde qui est sur Facebook, qui est sur Twitter, qui est sur Instagram, et qui est sur LinkedIn, nous allons poser des questions pour Dr. Naomi Blémio. Il va parler tout de l'importance. Pays taxe et avantage ça a gagné pour ou même qui veut faire business ou même qui sont entrepreneurs, importance pays taxe et avantage que le gain. Donc nous allons parler de l'innovation dans le secteur, de nouveaux règles que le secteur a gagné. Nous allons parler tout de monde qui est un CPS et nous allons voir qui qualité d'avantage que le monde qui est un CPS. Et a créé dans l'économie américaine, nous le dire. Nous-mêmes, quand nous regardons dans notre pays, que nous en Haïti, que nous en Chili, que nous en Afrique, quelque chose à côté de nous, Choua lui-même, il va montrer nous que l'avantage que nous avons dans l'entreprise, nous, pour les nouveaux États-Unis, en tout cas, l'avantage de payer les taxes, lui-même, il va où, en tant que pays, États-Unis. Donc, encouragez-nous tous, et pour nous capables de suivre. Innovation zone, il faut enregistrer nos sous-pages là et puis cliquer sur la cloche là. Quand ça, chaque fois un nouveau show sorti, la vie nous l'envoie une notification pour nous être au courant de ce qui va passer et qui va passer. Donc, ça est excessivement important. Donc, moi, nous tous là et nous sommes tous là pour que nous enregistrer sous page. Et Innovation Zone à l'heure la mode. Et maintenant, et tout, depuis le dernier choix, je vais saluer tout le monde qui a participé dans trois premières éditions. Donc, je vais parler de Nicolas Placide, je vais parler de Gadi, je vais parler de Frichard, je vais parler de Jim Chou. Donc, il y a tout prochain choix que nous allons faire, nous allons sur Metaverse. Et donc, nous allons gagner. Et deux coquins chaînes experts dans le Metaverse, qui va venir expliquer qui ça Metaverse. Nous avons fait un poll dans Twitter. Et Paul Zanite dit que c'est Metaverse là que tout le monde voulait connaître qui ça Metaverse là. Donc, nous avons eu l'opportunité ça pour que nous discutions Metaverse. Et à ce soir, nous allons discuter de taxes. Nous allons discuter de l'importance des taxes. Là, nous gagnons une compagnie aux États-Unis. Donc, et après, on va passer la parole là, par Dr. Naomi Blémio, qui lui-même m'a profité de rappeler nous, et que Naomi, c'est un expert comptable, c'est qui a aidé nous tous, nous-mêmes qui avons gagné nous là, qui a aidé nous pour nous faire taxes, parce que nous, dans la saison là, nous-mêmes qui aux États-Unis, et libéral qui a certainement aidé nous dans ce sens là, il a pu répondre à une question tout, et sous question ça, sur question payer taxes là. Donc, quand en Haïti, il est important pour payer taxes, il est important pour déclarer, parce que c'est avec taxes qu'on paye développé. C'est le pour payer taxes, un pays qui a développé. Là, pour payer pour Haïti ou pour payer pour États-Unis, eh bien, l'avantage là, c'est qu'en Haïti, ou bien moins que 300 compagnies en réalité qui payent taxes. OK? Donc, ou bien un secteur informel qui est énorme et qui, en règle générale, OK, il n'y a pas taxé. Donc, qui vient créer un problème énorme pour l'État, pour le gouvernement, pour que les ressources, même pour réinvestir les ressources dans l'infrastructure pays. Donc, il est excessivement important pour que les citoyens, eux-mêmes, payent les taxes pour que le pays soit capable de développer. Donc, et ceci est vrai. Quand ils sont gros entrepreneurs, quand ils sont gros businessmen dans le pays, ou bien, qu'on sont petits, mais avantage, on paye moins de taxes, bien entendu, mais il faut tout le monde contribuer
OK, à payer taxe pour payer qu'à développer. Donc Naomi, me salue ou et soyez pour nous là. Bon, salut tout le monde qui branché. Merci Laurent, merci Frankie qui travaille in the background. C'est vraiment un plaisir pour moi là à soir. Tout le monde qui vit ici aux États-Unis nous connaît depuis janvier démarré. It is tax season, right? Et puis pour un pile monde, c'est un temps qui pas facile. Parce que pour taxe bien faite, faut que toute année ou tu as préparé mois par mois pour assurer que l'on vient devant un comptable ou bien tout document en l'ordre pour comptable ça qu'a fait taxe. Pas vrai? Et c'est pas un mystère lié. Pas vrai? Ou gagne un document pour porter pour comptable là et avec ça porter by et comptable là c'est avec information ça li pral créer taxe là pour voyer le by IRS. So ça veut dire comme ça que your tax is only going to be as good as your documents. Et so m'ka di en créole taxe ou pral créer si que document pas bon, li pas bon. Pas vrai, et si que document en l'ordre ou t'es fait tout travail ou pour 12 mois de pour porter le bail un bon comptable qui connaît exactement ça l'affaire ou ap sans problème. Mais nous connaît que taxe aux États-Unis chaque année gain changement. Pour un bagage moi voulais entrer la dernière c'est que et tax bracket yo changé. OK, qui ça qui tax bracket? Gouvernement utilise 7 différents brackets selon de combien qu'on vous fait pour année pour le charge aux taxes. Premier bracket là c'est 10%, deuxième là c'est 12%, troisième là c'est 22% et the next one is 24%, the next one is 32 ou 32%, 35% et maximum on n'importe mon cap vivre ici cap payer taxe pour année ça c'est 37% et on mon cap dit comme ça que mais pour ça yo monter bracket yo ouais que gain trop inflation ça fait inflation si tellement ou te wo yo obligé changer taxe bracket yo. Deuxième bagaille pour connaître et ou ta doué déjà connaître ça de pour ou pas vinn faire taxe faut qu'on connaît 4 bagailles. Est-ce que ou sont single filer? Est-ce que ou sont married filing jointly, married filing separately ou head of household? Immédiatement entrer dans office comptable là c'est ça le pral mando sauf sous c'est un comptable là avec lui, li ka di est-ce que gan ken information qui changé? L'élément de ça, spécifiquement, les besoins qu'on a, how are you filing? OK? Parce que pour 4 catégories, ça y est, il y a des différents que vous pouvez joindre. Ensuite, après les finements de ça, les pralements de qui changement qui fait année? Par exemple, est-ce que vous avez acheté une machine tout neuf? Pas vrai, vous avez payé taxe sur lui? Ça ka ou ka jwenn yon bénéfice pour ça. Deuxième bagali ka mando, est-ce que ou te investi nan yon IRA? Pas vrai? Ça encore ou ka jwenn bénéfice pour ça. Est-ce que ou gen ti moun? Pas vrai? Tout moun konnen yon nan pi gwo et avantage que ou gagnez c'est le ou gagnez ti moun, yon gagnez yon tax credit que ou ba ou chaque moun pour qui gagne ti moun. Et année ça tax credit la moute, nous pral discuter ça plus tard. Troisième bagay li ka mande ou si ou se yon moun ki pa gen pile expense, pa vrai? Li pral dou se soit ou pran standard deduction ou pral pran itemized deduction. Et nous connaît que sous Trump nous te vini avec yon règle que sou prend standard là ou pas ka prend itemize là c'est soit prend youn ou prend l'autre et pour prend deuxième nan faut que dépense ou pi wo que standard so
juste pour tout le monde qui a regardé, pour qu'on connaisse, sous son monde qui est single, ça veut dire pas marié, et standard deduction pour année ça, c'est $12,950. Si que vous marié et vous même avec marié, vous avez ensemble, standard deduction c'est $25,900. Et si vous marié, vous avez séparé, malgré marié, vous retournez à single deduction qui $12,950. Et puis tout le monde qui head of household, ça veut dire que c'est vous même qui avez géré Kayla et vous même qui prend responsabilité pour assurer tout bill nan Kayla paye pour année, vous avez joint standard deduction nou nan $19,400. So, c'est très important pour qu'on ait information ça yo parce que c'est ça qui pourra décider combien taxes ou combien return ou joindre pour année ou si que ou pourra douer IRS. Et nous connaît PM nan ka gen 2-3 questions ou me demander yo parce que ça nous pourra entrer dans child tax credit. Oui, bon, là on a mis quelques questions sur l'écran. Et donc il y a Alissa Daniel Kayo qui dit nous pour parler créole donc pas de problème. Alissa nous a un problème avec vous mais faut tout le monde comprendre que des monde qui parler son show qui international. Ça veut dire que je suis en Haïti semaine la passé, je suis passé dans le monde entier. L'autre jour avec un juste Guinée qui relève bouchoa. Donc je suis à son show international lié donc parfois on est obligé parler en français pour que les Guinéens comprennent le show. Et nous avons créole n'a parlé, nous avons anglais n'a parlé, donc nous avons mixé. Donc nous souhaitons nous comprendre ça. Donc madame Alissa Daniel Kayo, moi mon ampile et mais n'a obligé parler créole et anglais et français parfois. Et donc il y a tout à l'autre monde qui a fait commentaire, il y a Enzo Dorval qui lui-même salue et nous pour belle pour belle émission ça donc ça le tout Enzo et mais Enzo prend encore il dit pour partager dans groupe là plus ça c'est dans diaspora États-Unis besoin qu'on bagaille ça yo donc Enzo Dorval et est-ce qu'on question pour expert comptable là parce que nous dans tax season et pas oublier que son bagage est excessivement important et j'aime t'a dire que aux États-Unis que en Haïti, quel que soit côté il y a, il est excessivement important pour nous comprendre le système taxe parce que c'est un système qui est très compliqué. Ici aux États-Unis, c'est un système qui est excessivement compliqué. Donc nous avons une chance pour nous poser question gratis si chéri. Ou bon, donc poser question à poser, assigner des bases spécifiques nous besoin poser et docteur Naomi Blémieux qui là, qui lui même une pratique comptable là dans notre Miami. Donc nous avons pour nous poser le question. Et j'en s'adouye. Donc, on nous parle de et TPS là. Haïtien sous TPS, un pile haïtien, nous connaît que, c'est pas haïtien seulement, gen moun Salvador qui sous TPS, gen moun Nicaragua qui sous TPS, et gen plusieurs autres pays au monde qui sous TPS. Donc, nous même kap gade yon là, TPS là qui s'allie, c'est Temporary Protected Status. Ça veut dire que son statut que le gouvernement américain ba ou, qui reconnaît que pendant un certain temps, et mais gain problème dans pays d'origine côté soit ça donc que soit Haïti que soit Salvador et côté lia et bien moun sa yo même et pour alors gon chiffre que personne ba connaît est-ce nous connaît que et Naomi qui fait cap dit ça là tout à l'heure lui dit moi ça que et bien intégralité de communauté qui dans TPS yo pral payer plus que $160 milliards de taxes. Ok, année ça, $160 milliards pour travailleurs avec travailleuses, ok, qui gagnent un permis TPS, qui sont un permis en général, qui dure 18 mois, que yo ba ou, qu'on ka travail. Mais question Naomi, c'est lors un TPS, tout le monde qui a gagné là, qui a un TPS, est-ce que moun sa yo, est-ce que yo gen taxe pour payer et est-ce que yo gen un taxe refund tout, ok, si ou sous TPS? C'est question ça qui est important. Donc nous voulons tout le monde connaître que dès pour gain TPS et ou gain carte sociale sécurité ou ka fil taxe. Depuis carte sociale là nan men ou
Ça veut dire comme ça que IRS a reconnaît ou comme yon moun kap ça yo dit comme ça que contribuer dans système taxe là. Et c'est très important puis on pense que parce qu'on gen TPS et gouvernement pas sous bord, yo pas penser de où, c'est pas vrai du tout. Et nous ka di comme ça que 80% nan moun ki nan TPS participer dans ça yore le labor force là. Ça veut dire ça 80% moun ki nan TPS a travail et gouvernement reconnaît yo. Et comme monsieur Lamotte te dit tout à l'heure, the contribution to the country's GDP, ça veut dire ça que the gross domestic product, l'argent que pays a pral entrer pour fonctionner qui sorti nan men moun ki se Salvadorian, Honduras and Haiti, yo di nan 10 ans yo estime que yo pral jwenn $164 billion from this group. Ça veut dire comme ça que yo non seulement yo reconnaît nous, yo déjà estimé combien cob yo pral faire sous nous. OK, so ça veut dire comme ça que son bagage est très important, c'est pour un bagage yo fait juste comme ça. Vini nan peyi a wap pote yon bagay ba yo. E yo mem yo geta baze sou so pral pote e sa yo pral fè avèl. Donc tout moun ki gen TPS, de pou gen sosyal ou gen timounou fèt isi, ou ka fil tax normal. E wap jwen tout benefis ke tout lot moun ap jwen duran sezon taxa. On seul bagay nou konnen, le yo tap bay stimulus yo, si moun pat on US citizen ou pat jwenn stimulus. OK, sa son bagay totalement différent. Mais tout kredi ou ka jwenn sou ou nan TPS ou a l'école ou ka jwenn kredi pou sa. Sou gen petit ou ki l'école et si moun sa depuis l'emballage 17 ans ou ap jwenn kredi pou sa et ta lèm pral esplike konbe kredi ou pral ba ou. Nou vlo konnen ke non selman ou fè pati de sistèm nan ou dwe fil tax ou. It is in your benefit, li nan benefis ou pou fil tax ou. Et ankò mwen la, kom mè se la Lamotte di, mwen situé nan North Miami et numéro telefòn mwen ap sou ekran, nou la pou nou bon servis. Mè se la Lamotte. Et bon, nous avons un pile de questions et cap tombé. Et gain mon cap mandé pour business pour gain LLC. Est-ce que donc LLC qui j'ai pour faire le taxe? Est-ce que pour qu'il tout document et tout et tout? Donc nous pour n'a mandé mon continuer avec questions surtout gain mon Facebook, gain mon YouTube poser toutes questions gain pour nous poser. Nous pour laisser répondre bien entendu. C'est gain un expert en taxe là. Il n'a oublié les mille barils. C'est un show sur innovation et puis c'est garder pour qui j'ai taxe à capable aider entrepreneur yo même développer business parce que ça pour nous comprendre c'est que taxe a deux aspects. Il y a un aspect pénalisant, ça veut dire sous pas payer ou on doit payer des pénalités qui vient à craser entreprise. Donc sous des startups, sous mon startup quoi monter et que sous pas bien imbu, sous pas bien comprendre question taxe là, il doit craser et business surtout. Ou bien il doit aider le tout parce que et le ou payer taxe, tant qu'on a Haïti ou payer taxe ou ici aux États-Unis ou payer taxe, eh bien avantage que la gagne c'est que la bon en pile avantage pour crédit ou tout, la ba en pile avantage si ou gagne pour acheter un caï, si ou gagne pour acheter une machine, quel que soit soit affaire, il va vérifier tax return que ou faire là. Pour est-ce que vous êtes éligible, est-ce que en capacité pour capable eh bien investir dans un business et pour capable prêter l'argent pour business ça. Donc c'est un point qui est excessivement important et là moi-même moi bral dit tout l'autre jour nous t'es dans show que nous t'ai faire. Nous t'ai fait choix principalement en anglais, assoir choix bral fait principalement en créole et parce que n'a parlé avec n'a parlé de taxes, n'a parlé d'impôts, n'a parlé d'importance ça gagne et dans la communauté et n'a prend tout et participation et bien tout followers qui sur Facebook, qui sur Twitter, qui sur Instagram. Donc
continuez vos questions. Je vais poser deux trois questions là, Naomi. Gagnez et Max Steven Jeffrey. OK. Et qui, bon, lui-même lui pose une question. Pour ça, généralement, support à fait des États-Unis, souvent pas valable pour le système canadien. Est-ce que vous avez deux systèmes? Est-ce que deux systèmes sont méfiants l'un à l'autre? Donc, ça, c'est une question. Donc, même pour ça, support à fait des États-Unis, parce que bon, c'est deux pays différents. Document qui valable aux États-Unis, pas nécessairement valable au Canada. Et document qui valable au Canada, pas nécessairement valable aux États-Unis. Et c'est même genre en Haïti. Par exemple, un document à fait des qui fait aux États-Unis, il ne peut pas reconnaître en Haïti, nécessairement. Ou bien ça qui fait en Haïti, il n'y a pas de reconnaître. Donc ça dépend de pays, de Gadi, et pour que nous baillons. Bon, et nous gain Jeffrey Sineus qui a partagé Innovation Zone Show. Donc Innovation Show, c'est lui-même, c'est Abel nous là et n'a parlé d'innovation. N'a regardé une question là et sur question taxe là. OK, pour Business LLC, ça c'est Enzo Doval qui pose des questions. Hein? Pour qui ça Business LLC, m'ta remè gen quelques détails sur ça pour me faire déduction. Donc ça c'est pour Naomi. OK, so l'on fait premier bagage fort connaître sur pour faire business tax, fort ou faire livre. En anglais nous dit you have to keep your books. Ça veut dire comme ça que depuis entre janvier et décembre 31 décembre, ou te doué supposé chaque mois calculer combien cop qui entre, combien cop qui dépense et nan qui ça ou dépense cop là. Lors pote livre yo bay comptable là, c'est information ça que li pral utiliser pour le faire taxe. Donc sou fait toute année ou ap entre l'argent, ou ap dépense et ou pa gen livre, li pral difficile pour yon comptable faire taxe. So pour un bagay sou son business owner. OK, même si ou pas gagné un Excel sheet qui t'a très bon pour porter by comptable là et faut que t'a un livre que ou rentre mois janvier 1er septembre mais qui ça rentre deuxième septembre I'm sorry mois janvier première semaine mais qui ça rentre deuxième semaine mais qui ça rentre troisième semaine quatrième semaine et met toutes dépenses moi sous pas faire ça comptable pas faire un rien pour vous. So tout le monde qui a demandé pour tax business, première question moi gain pour vous, est-ce que livre en load? OK? Et si livre en load, ou dans bon position pour porter livre by et comptable pour le faire taxe. Et second escorp ou connaît que faut taxe fait by 31 mars. Ça veut 31 mars. Et de l'autre bagay mwen ka di ou que si que livou pa en lòd moun n'a ka fè tax pou wa pi fò kontab yo yo gen yo fè books so sa vle di konsa ke moun n'a pral chajon yon lòt frè pou pote 12 mois septembre 12 mois statement yo bali et l'ap tout fè livou pou ou l'ap préparé pou l'fè tax sa so donc c'est ou même ki pou konnen est-ce que te fè livyo sou pa fè livyo al chache et bank statement sur pour 12 mois pour tel bail comptable là et me connais grand pile monde qui dit et si me pas gain bank account me mette tout comme là dans account là gain deux fois me mette et moitié me mette reste là donc si c'est comme ça ou tu fais livre pour année ou doit gagner yon file qui expliquer tout ça qui t'est passé pour ca délivrer file ça bail comptable là pour connaître qui ça pour faire pour. Bon, nous avons et Ronald Loto qui pose l'autre question, il dit si le fil taxe, est-ce que faut que moi gagne tout papier moi faire dépenses? Yes, faut gagne tout papier pour faire dépenses. Pour qui ça moi tout ça? Parce que si comptable a fait taxe, li ba ou yon crédit et kounya la nan demain ou yon année prochaine, yo vin décider pour yo ça yo rele audit tout. Pas vrai? Audit tout et ou
le ou vin audit ou pa gen ou pa gen reçu ou pa gen information yo, yo ka décider que ou pa qualifié pour et pour sa comptable te ba ou et yo ka prendre. Si yo vin pran crédit a, ça veut dire ça que et taxe que ou doué a ou kob yo te ba ou a, yo ka di you didn't qualify for it, yo recréé taxe ça pour ou, et puis yo vin di mais combien kob ou te supposé doué pou ni a la malgré te joine un kob ou fin joui kob la ou fin dépenser kob la et puis boom et IRS dit comme ça que ou nous pas doué bon comme ça. Non seulement faut remettre nous cob là, on dit yote bon $2,000, yo dit remettre nous $2,000, ensuite les nous fin corriger taxa nous wè c'est ou même qui doit nous $2,000, bon qu'on yo doit nous $4,000. Et chaque jour pas payer comme ça ou gain intérêt à penalty cap entrer cap monter sous cob là. C'est ça qui fait qui est très important pour ajoindre yon moun qui comprend et situation, ça veut dire ça que si ou son business owner a joint un comptable qui spécialisé dans business taxes. Moi-même, c'est ça m'étudier l'école. I studied accounting and information system. J'ai étudié comptabilité avec système information. Mais un monde qui est comptable, ça veut dire que mon nan vraiment bien imbu dans business. A vrai, c'est pas que moun nan ka really good at individual taxes, mais ni pas bon nan business tax. So c'est très important pour chercher un moun qui qualifié, qui ka aide ou avec situation personnelle pa. L'autre bagay mwen ka di pour tout moun ka fait business on the side, avec dire ça que ou pas vraiment bon gros opération ou bon W2, pa vrai ou ap travail pour un compagnie ou bon W2, après ça ou bon l'autre petit job ou bon l'autre activité que ou ap fait, li très très important pour kembe reçu ça yo, parce que spécialement que ou même ou pas gagne un business qui organisé que gouvernement ou te you registered with the government, parce qu'on est aux États-Unis. Moi les Naomi Bleumur, moi ka fait business comme Naomi Bleumur, moi pas besoin, moi pas obligé et registré non moins pour me faire business. Ça y aurait un sole proprietorship. Après, sous son sole proprietor, c'est très très important pour qu'on ait reçu ça. Parce que n'importe bagay qui passe, yo vin audit ou pas gen document ou pas ka backup ça comptable là, te mette sous document yo, wap nan show. Wap nan show. Bon, Naomi, na pra poursuivre et yo mon autre question pour vous, sous utiliser une chambre, une pièce caille pour business ou comment on peut faire déduction sur ça? OK. Yes, il y a possibilité pour faire deductions sous utiliser pièce caille, mais c'est très important parce que me connais un pile monde qui fait ça et puis il tombe non problème. C'est très important que ou porter information ça bail comptable là ou expliquer lui combien chambre et combien qui go se caille là et it's 9:00. What is the space? Ça veut dire ça espace qu'on va utiliser à qui la gèle. Ça veut pour assurer que les bon deduction qui valable. Ça veut c'est très important. Les bon deduction qui valable et demain pour pas venir tout non ou te prendre trop. OK, ça c'est très important. Mais réponse pour question c'est oui, si on fait business la caillou ou utiliser une partie la caillou pour faire business là, yes, gain un deduction pour ça. Donc, on va souhaiter que tout le monde prenne note de ça, soit faire business la caillou ou capable faire déduction sous taxe. Quand il y a gain un monde qui dit nous et qui souhaite voir un message, il dit n'a pas parlé pour diaspora États-Unis seulement, pas oublier diaspora République Dominicaine non. Et donc, nous ne pouvons pas oublier personne, mais bien entendu, il faut aller étape par étape, parce que nous ne pouvons pas faire, on ne peut pas expert tout le pays dans la taxe. Donc là, nous avons un expert qui est un expert dans la taxe aux États-Unis. Donc, on ne peut pas aller à Haïti. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'un pile monde, et Naomi, un pile haïtien qui a une résidence, ok, à vivre en Haïti. Ouais. Ok, il achète un terre. Il achète un caille, il construit caille à vivre en Haïti. OK? Et puis tout, il y a des Haïtiens tout qui vivent dans New York City. OK? Qui vivent Miami, qui eux même toujours gain rêve pour retourner en Haïti. Est-ce que leur retour en Haïti, est-ce que
haïtien ça yo ou bien haïtien américain ça yo, est-ce que gien pour payer taxes aux États-Unis? Et si yo pas payer taxes, qui ça ka arrive yo, ou bien est-ce que gien pour faire taxes? OK, système retirement pays a basé sur taxes. Ça veut dire comme ça que chaque monde qui a payé taxes ou l'a payé taxes ça ou gain social sécurité que ou a payé la dedans. Si ou pas payé taxes, ou ça veut dire si ou pas payé taxes ou pas payé social sécurité, si ou pas payé social sécurité, là ou gain 65 ans li lè pour retraité ou pas joine social. So, on pas dit au monde qui ça pour faire, mais c'est pour mande tête ou sou te faire combien de temps a travail non payé. Pas vrai? Et ou décider que bon, on pas vle rester là encore, on vle retourner la caille. C'est pas problème, mais bénéfice pays a et kabaou a, on pas penser l'état smart pour juste la gueule comme ça. Pas vrai? C'est pour assurer chaque monde qui paye taxe, système taxation, yo gon somme d'argent que ou supposé payer into the system pour ka jeune retirement. Pour les bagages, m'ta conseillé au fait, c'est faire recherche and find out. Est-ce que nombre d'années que ou même personnellement ou fera payer taxes ici, est-ce que l'y suffit? Est-ce que ou déjà paid into the system? So, poko paye into the system, ça veut dire ça que ou pas qualifié pour joindre social. Moi-même personnellement, moi t'a suggéré pour number one, find out est-ce que ou paid in. Si ou pas paid in, m'ta suggéré commencer jusqu'à ce qu'on fini nombre de temps supposé paye in pour qu'a joindre social sécurité. Et Naomi, nous n'a pas en pile information à soi là et parce que gien en pile question parce que c'est des bagages qui tellement a changé tout et nous connons proximité tout Haïti avec diaspora que ce soit diaspora aux États-Unis ou bien diaspora à l'autre côté proximité là. Donc faut faire attention tout et c'est là que nous voulons retourner dans l'importance pays taxe que ce soit en Haïti que ce soit aux États-Unis que aux République dominicaine quel que soit côté il y a importance là c'est que faut qu'on soit un bon citoyen et une bonne entreprise kounya et gè des moun ki yo même seul rêve yo c'est pour changer la vie yo mais changer la vie yo ou gen doit jwenn un job ou gen doit travailler ou gen doit faire 9 to 5 ou gen doit faire Uber ou gen doit font lift, ou gen doit tout ap travay pou Citya, eh bien, kèl que sa deside fè, li excessivement important pou contribuer à sa rele base impôt pays a. Donc, parce que c'est ça tout k'ap bo avantage, parce que li ba an pile avantage. Donc, par exemple, si par exemple ou ici a ou nan New York City, Boston, et Naomi, parlez-nous de qui a avantage, par exemple, un monde qui, par exemple, pas payé taxe. Est-ce que si moun sa li même la travail, li besoin acheter un petit kay, est-ce que la ka venu près la banque? OK. Donc, taxation, m'kwe, monsieur Lamotte explique ça briefly. Li te dit comme ça que li gen deux parties la dani. Li se yon rapport. Fiscal, annual fiscal report, côté ou dit IRS, mais combien de coûts ont été faits, mais combien de taxes ont été payées et IRS va dire est-ce que vous êtes overpay, ça veut dire ou pas je n'en refund, ou vous êtes underpay ou doué. Le que vous faites rapport ça, lisse yon pouvoir d'achat aussi. Ça veut dire ça que tout ça que vous pouvez acheter ici, tout prêt que ou pral prendre ni si son un caillou à l'acheter ni si son on machine ou pral acheter yo pral besoin wè taxe là pas vrai et en pile moun ki ici nous te wè que le coronavirus ta te vini en pile moun di kon sa que non m'a travail pou tèt mwen m'te fait encore m'te fait ceci m'te fait cela mwen vle SBA loan pou e bagay yo te mande ou kote taxe ou. Est-ce que côté taxe 2019 là, montrez-nous preuve que quoi vous dites te faire ou te faire vrai. Pas vrai? So the tax system c'est ça lié, li soyon système de contrôle et li non seulement li son système de contrôle, li bo pouvoir d'achat. Sou pral acheter ton kay, at minimum faut préparer 2 ans pour gain 2 ans taxe qui bien faite et qui préparer pour montrer que vous avez pouvoir d'achat pour acheter kay la.
On dit comme ça que ou montrer que pour 2 ans chaque année ou faire $150,000. Là aller chez mortgage broker dit non, ou voulez acheter on caille $500,000 ou pas qualifié. Et puis en pile moun yo saisi yo dit non, même travail, mais sous chaque mois mais c'est sûr mais cela. Non, mais système là, gen yon formule que yo utilisé pour yo di si moun nan fait ton comme mais combien en banque ta doué prêter li que li même la ka payer et prêt ça par mois. So li très important que tout ça que ou pral faire financially li ou comprendre que li a basé sur taxe là, non seulement faut taxe ça fait bien et ensuite l'on pral font gros achat quand ou pral acheter yon commercial building ou pral acheter un kay, faut préparer depuis d'avance pour assurer que l'or paraît devant banque là ou abjoint un approval. Et là on a parlé et bien entendu de payer taxes pour les États-Unis parce que bon monde qui saute pour un commentaire dit oh mais là moi t'as dit mon payer taxes aux États-Unis il dit pas payer en Haïti. Bon ça c'est un monde qui va t'ab gâcher choix donc m'invite au prends son OK garder choix bien étendez bien ça m'a dit on va changer parole moi. Ça me dit ah c'est que l'important pour payer taxes dans pays que toi vivre là donc sou ou même qui a gardé choix en Haïti ou même qui fait voye commentaire sou en Haïti mais encourager et me toujours faire que me dans gouvernement que me pas dans gouvernement pour me payer taxes non ça c'est premier bar là parce que une premier base citoyenneté pays a une premier importance c'est contribuer pour son bon contribuable donc ou même qu'en Haïti bon pas connait monde qui pose question pour toi baron sou existe tout parce que on paquet zombie tout cap voye commenter donc sou existe vrai tandis ça m'a dit bien parce que moi encourager tout le monde quel que soit côté a pour payer taxes là n'a parlé avec docteur Naomi Lemieux qui c'est un expert comptable aux États-Unis donc n'a parlé de taxes aux États-Unis et m'a profité rappeler monde qui voye commenter ça gain plus que 2 millions haïtiens cap aux États-Unis qui ont même gain intérêt dans ça n'a discuté là. Il y a plus que 60 000 haïtiens dans TPS qui ont intérêt dans ce qu'on a discuté là. Donc, si vous-même, qui chita, kodo chita, si c'est bon zombie, vous voyez, ok, eh bien, vous-même, vous avez intérêt dans ce qu'on a parlé là. Mais ça n'a parlé là, il y a toute importance li, aux États-Unis, que en Haïti. Donc, moi, merci pour la question, parce que l'IPM permet nous, bah, une réponse à ça n'a dit là. Mais ça qui est important, c'est que nous concentrons nous sur construit et sous bas information bas communauté dans innovation show c'est ça n'a parlé là n'a parlé de innovation d'ailleurs son innovation lié pour une chita là journée aujourd'hui là nous sur Facebook nous sur YouTube n'a répondre question n'a parlé n'a contribué OK pour que moun yo capable comprendre importance fiscalité a et capable comprendre système parce que son système qui très compliqué. Et nous avons mon tankou docteur Naomi Blemieux qui l'a expliqué nous donc m'encourager nous continuer poser question OK et en rester dans la positivité en répondre question kounya une question qui est important moun kan Haïti yo Naomi moun kan Haïti yo qui yo même à cause problème qui gagne en Haïti insécurité nous connait problème yo moun sa yo yo gon visa touriste yo décidé pour yo venir aux États-Unis yo fait première année avec covid etc yo fait 9 mois aux États-Unis yo entre en Haïti yo fait 3 mois en 2021 en 2022 yo venir yo fait 10 mois OK et puis pour yo tourner donc est-ce que moun sa yo même est-ce que légalement yo supposé faire taxe et si yo pas fallait ce gain doit joindre kembe dans immigration qui ça enfin ba non idée dans sens ça. OK, très bien. Premier bagage moi voulais dire que avant me répondre question ça pour moun nan qui t'ai mandé pour ça n'a pas les payer taxe, faut comprendre tout que taxe is the c'est un primary source of revenue pour tout gouvernement. Ça veut dire ça que c'est le premier source de revenus que n'importe gouvernement ka gagne. C'est lui-même qui paye pour l'école public schools, c'est lui-même qui crée pour infrastructure, c'est lui-même qui crée pour
C'est l'agence à utiliser pour faire route. C'est l'agence à pour bay service public pour moun kap viv nan pays. C'est l'agence à utiliser pour bay service emergency, par exemple, sous gon problème et ou besoin rele ambulance. C'est taxe qui paye ça. Et n'importe quel programme et aide que pays a kavle pour bay peuple là, c'est nan taxe là. L'autre que yo te bay stimulus là. C'est pas free, c'est pas l'agent gratis que t'as banou. C'est nous-mêmes qui payons dans le système nan, et nous même vin joindre que nous non crise et puis après mettre nous l'agence. Donc c'est très important, n'importe pays où que vous vivez ou doit entrer dans le système de taxation hein, parce que lors entrer dans la machine ou conduire dans route, si vous la crasez, c'est l'agence taxe qui pour résoudre problème ça. Et yon ambulance pas ka vini, c'est l'agent taxe qui pour résoudre problème. Non mais question spécifique là, parce que là non kounya nou pral vini nan question spécifique que oui. Mande pour moun si on moun gen un visa ou on moun ki gen visa ki pa yon un citoyen américain ou pas obligé payer taxe. You understand? Système nan fait pour moun kap viv la, pas vrai? Comme par exemple, on moun TPS, moun ap viv la. Li mande pays a que moun même moun besoin yon status côté moun même ka rete nan pays a parce que côté m sorti a li pa bon pour moun. Ça c'est totalement différent que on moun ki gon visa kap fè va et vient kap voyager. Mais si que moun nan vini nan peyi a, moun nan a fè business nan peyi a, li ka chwazi pou le paye tax nan peyi a. Mais personal income tax, on moun ka fè va et vient ki gen visa, non. Ok? Depi moun nan gen TPS, oui, li ka entre nan système tax a. Depi moun nan gen permanent residence, oui, li ka entre nan système tax a. And of course, depi moun nan se yon US citizen, li doué nan système tax a. Bon, je crois que nous répondons à la question là. Et gagner et son un commentaire de Vensou. Mm-hmm. Vensou, nous saluons. Bon, un gros coup de chapeau pour Vensou. Vensou m'a dit, est-ce que Dr. Blémik a aidé au monde à structurer un business? Et business ça qui a fait dans plusieurs pays. Donc, est-ce qu'il a aidé au monde à structurer et système taxi pour un business? OK. Donc sou di kon sa ke pou moun structure business nan pou ka fè business nan plusieurs pays, faut comprendre chaque pays gen yon façon différent. Même ici aux États-Unis que n'ap viv la, chaque état gen yon façon différent pour enregistrer yon business. Donc moi-même si que on moun vle fè business ici aux États-Unis, par exemple, vous voulez faire business en Floride, oui, moi ka aide. Mais si moun nan di m konsa ke, bon, Naomi moi voulez faire business Chili, est-ce que m ka aide? Non, parce que moi-même moi pas habité là, moi pas konn et système nan, moi pas konn ki jan yo enregistré en business. Moi-même domaine moi c'est business structure qui là en Floride. Est-ce que moi ka edo en New York et c'est possible que m'ka connecté avec un monde qui ka enregistré business dans New York parce que c'est deux différents états and the structure c'est totalement différent. Dans Miami, souvle dans Floride, souvle établir un business, bon moi aller sur yon website et puis ou enregistrer ou payer en 72 hours or less business ou établi et puis that's it. Pas vrai, New York son process qui totalement différent. Donc chaque état gagne à faire par yo, chaque pays gagne à faire par yo. Et m'a profiter tout et m'a profiter rappeler tout le monde que si nous voulons et ouvrir un business de manière rapide et facile et ou ka tout à un site web qui est le www.clerky.com qui lui même l'a sous site ça li bon toute information hein, et al checker pour elle c'est pas en anglais li pas en créole et pour nous capable nous-même faire si nous voulons ouvrir propre compagnie nous un propre contrat nous si nous voulons émettre des actions et bien sûr clerky.com nous n'a capable faire de manière facile et rapide et lui permet tout gain documentation pour ouvrir un compte en banque tout mais ça n'a pas les des États-Unis en Haïti
et procédure différent, courant différent tout. Et si m'a pas trop pour vont comparer en Haïti après tout frais la coûte environ $5,000 américains aux États-Unis avec tout clair qui point comme là avec toute documentation la bot template pour contrat pour employé pour action etc. la coûte est $700-800 donc $800 contre $5,000 donc ça c'est un bail tout que nous t'goumé en pile pour lui bon malheureusement après nous t'aller à son bail que t'est venu qui t'est tombé parce que faut et mais bien entendu il faut que moun yo continue militer pour ça pour qu'a bonjour créer même la clerk qui prend comme là ou créer une compagnie en ligne parce que kounya la signature électronique là illégal parce que pendant paquet temps il pas légal en Haïti et bien pour qu'a ou une compagnie OK de manière à des prix abordables à des prix qui capable permettre tout pour ouvrir un petit business souvle pour pas pénaliser par ça. Donc mais avec clerk.com là, il permet tout faire aux États-Unis. En Haïti, bien entendu, faut un notaire, faut un avocat et bon, faut sinon souvent pour pas attendre tout dans les GI et donc processus là en ligne là, il beaucoup bien fin développé net en Haïti comparativement à processus États-Unis côté que par exemple sous clerk qui ouvre n'importe qui même monde en Haïti hein. Même haïtien qui voulait ouvrir un compagnie aux États-Unis, un cabal sous clair qui vous fait, il va vous proposer des lois et sans problème. Donc, il y a quelques questions, tout cap tombé là, question a tombé sérieux et n'a pas essayé qu'un bille avec eux. Et il y a une question qui posait là, ben regardez, n'a pas dernière question ça et puis après ça, parce que moi, ben regardez. Et Naomi Fontami by numéro qui j'en par exemple après une émission comme ça et si on monde besoin plus d'informations parce que là c'est des informations à bail en l'air ça dit que c'est des questions à répondre même supposer que et s'il y a plus de questions pour répondre comment monde ka joindre nous sur DM sur Instagram parce que n'a kebe innovation nous va rester sans innovation n'a kebe innovation si on monde besoin plus d'informations comment la cap faire joindre nous OK pour ba information ça. So tout monde cap suivre, si vous voulez joindre moi ou voulez contacter moi ou voulez connecter avec moi ou ka DM moi à Dr Naomi Bleumur et moi crois que li pral sou écran ou après ki j'en pour appeler Naomi Bleumur ou ka DM moi sur Instagram ou ka DM moi sur Facebook ou ka rele nous dans 305 735-2105. Si que vous voulez connecter sur WhatsApp, ou qu'à connecter sur WhatsApp sur 347-744-5395. OK? Donc, pour joindre moi plus rapide, c'est sur WhatsApp, OK, dans le numéro 347 là, ou qu'à joindre moi dans DM moi sur Facebook ou Instagram. Parce que Instagram, c'est lui-même qui est plus facile, pas vrai, pour joindre moi. Et puis WhatsApp, là, c'est ça qui est deuxième, the fastest way. Avant nous aller, nous voulons que, pour connaître que, si que vous avez fait taxe, pas vrai, il y a deux, trois bagages fort ou préparer, fort ou gagner en avant. Premier bagage, c'est information personnelle. Il faut venir avec carte sécurité, social sécurité. Pas venir avec juste numéro, non? Pote quatre là avec sous marié pote quatre social marou avec faut qu'ou gagne date de naissance ou date de naissance marou pour chaque petit monde que ou gagne faut pote même information ça yo avec ça veut dire ça que et si c'est première fois fait taxe avec mon nan faut même baptiste petit monde nan pour pote pour mon nan ka wè que c'est petit tout pas lié. C'est pas petit on l'autre monde que on va porter pour fil taxa et faut porter carte social ti moun sa yo gen même côté au calé pour vérification yo quand même mando record l'école ti moun nan pas vrai pour assurer sou mené ti moun sa ou payer after school program pour ti moun nan faut venir avec information after school program nan avec tout tax ID compagnie ka bo after school program nan nous connaît pour un pile moun te gen ki t'a recevoir child tax credit gagnon form 6419 que IRS voye ba nou pour di nou
combien paiement child tax credit nous te joindre pour ka wè sou ap gon balance année ça. Make sure que ou pote papier ça yo. Et nous connaît que pour faire taxe ça faut pote income. Qui j'ont te fait l'argent? Pote W2 sou te travail pour un moun. Sou te sou unemployment, ou pote un form qui rele 1099G. OK, tout moun ki sou unemployment, sou pa pense que l'argent unemployment lan li gratis. Ni pas gratis, faut payer taxe sou li. Sou pa choisi pour payer taxe chaque mois le chaque semaine le bay comme là, l'ou vin fè taxe sou faut pote li. OK, sou gen l'autre et moun ou te travay avec yo, yo te bon l'autre form pote form sa yo vini. Sou se self-employed, encore m'a dit nous, pote tout record expense sou pote tout record income si que ou gen bank statements vini avec yo pour moun nan ka aide yo. Si que ou se yon moun ki gen ou gen kay nan loyer pote rental income sa yo vini pote expense sou gen kay ou ke ou te range moun nan te sorti nan kay la fote fè batoum fote tire kapèt pote tout expense sa yo vini. Encore retirement, on t'a parlé sous ça. Dès pour te mettre comme dans pension ou t'es supposé joindre une forme que les 1099R pour te ça venir. Si que ou déjà a joindre et SSI, Social Security Benefits, ou supposé joindre une forme que les 1099 pour te forme ça venir. Ensuite, bon monde qui te dit comme ça que s'il a fait stocks, ah ouais, s'il a selling stocks. Est-ce qu'il doit payer taxe depuis ou te fait cob sous stock ça? Oui. OK, gain investissement te prend, gon bagay ki rele dividend income 1099 INT ou supposé pote ça vini. Et tout compagnie, depuis ou deal avec compagnie, yo connaît que depuis yo gon form taxe pour yo te voye ba ou, faut que yo voye li. Après ça, oui. Naomi gain Marco parce que m'voulais essayer répondre et tout que je gagne Marco One rendez-vous Marco One rendez-vous qui m'a dit sous gagne quelques dépenses avant business là enregistré est-ce qu'on ca claim dépenses ça dans business là attendez si on business poko enregistré si dépenses là c'est pour te enregistrer business là oui mais si dépenses là pas gagne rien pour faire avec business là ou pas ca claim ni so question me gagne pour est-ce que dépenses ça yo te menon a établi business là? Oui. On dit ou vle établi un business et puis ou ta loue un avocat. Pave, avocat charge yo $150. Oui, that is part of starting the business. So, li ka yon soft course, li ka yon hard course, ou ka rele tout ti dépense sa yon vont établi business là, soft course ki menen a établi business là. Mais encore, for faire very, very, be very careful. Pas vrai parce que dans pile gray lines parce que dans pile ligne gris et là n'a marché sous ligne gris c'est là ça yo vino dit nous et IRS m'm dit nous ça le a pas dit yo pas dit tout en seul année non parce que dans mentalité yo si yo joine yon bagaille qui pas bon gen plus derrière ça so yo pral yo ka aller you know 2 ans 3 ans yo audit tout 3 ans ça yo attendez nous pas besoin problème ça yo fait affaire nous bien, fait affaire nous correct pour nous ka joindre avantage pour yo pas venir disadvantage pour nous-mêmes. Bon question là, Fénelon au Vinci. Fénelon m'a dit si m'a travaille régulièrement et puis m'a fait DoorDash comme side job, est-ce que me doit voyer W2 avec toute forme DoorDash là voyer ben moins parce que de pour faire plus que $600 de livre, il faut pour déclarer. Oui, ma bon bagay la jeune dia. Oui, c'est vrai. Depuis DoorDash a déposé l'argent dans compte ou supposé payer taxe sur lui. Donc mais réponse là, m'ta Fénelon. M'ta souhaite au rien mais réponse là. Nous pas grand pile temps rete nous parce que il y a Skylight film qui dit nous qu'il y a 2 minutes qui rete nous là donc pratiquement nous bral obligé fermer émission 4e épisode et Innovation Zone nan, et que nous mettez le mercredi soir vers 8h 8h30 du soir et prochaine émission nous va faire sous metaverse et nous va rester dans technologie
et nous pourrons prendre question, donc préparer question nous depuis journée aujourd'hui. Nous pourrons gagner tous deux invités et une en Haïti, l'autre là aux États-Unis qui pourra répondre question, qui est expert tout en technologie et beaucoup à bas non yo parce que et nous pourrons gagner pour nous publier non yo là et sous compte Facebook, Instagram non. Et mais c'est une opportunité pour que à soya nous prenons quelques précisions sur question importance pays taxes quel que soit côté ya aux États-Unis ou en Haïti, l'important pour payer taxes quel que soit côté ya. Donc nous te gagné à soya co-host Shoa qui c'est docteur Naomi Blemio, mais je ne veux dire qui t'a répondre question nous. Donc nous nouveau format côté un format participatif côté que nous même nous une question. Eh bien, docteur Naomi Blemio lui-même il a une réponse, mais son business que il gagne, donc il pas capable, il pas capable répondre toutes questions éternellement pour gratis. À ça répondre plus que 15 questions pour nous et d'intérêt général, mais si nous gagne des questions spécifiques ou bien si nous besoin aide nous dans taxes, eh bien n'a pas voyer un DM ou Instagram docteur Naomi Blemio sur Instagram. N'a voyé l'on DM et puis n'a fait rendez-vous avec elle. Nous avons fait une vidéo consultation avec elle, ok, sur FaceTime, sur WhatsApp vidéo, ou bien si nous sommes en Miami, nous avons le côté chita avec elle pour l'aider nous et faire le taxe, et puis après ça pour nous gagner des refunds tout, ok, sur taxe que nous avons fait. Donc, moi, je salue, je coupe bien bas devant nous tous là qui prennent nous pour nous entendre. Émission après sur YouTube de toute façon. Donc, n'a pas gardé li, n'a pas continué gardé li, et n'a pas continué regarder li, n'a pas continué et prendre bête là dans li, et parce que grand pile parole qui parle à soya là, ok, qui pral ka aider nous, qui pral capable continuer, n'a profiter tout, n'a gagné quand même une émission le 7 sur Justice pour Jovenel, parce que Justice pour Jovenel la fonde ici gagné li. Et à soya, nous sommes dans Innovation Zone, nous avons parlé avec Dr. Naomi Blemio qui répond à un paquet de questions, qui clarifie un paquet de points pour nous-mêmes qui avons gardé là. Donc, je remercie, nous avons le mot de la fin, Naomi, pour la population qui a gardé là. Bon, nous voulons saluer tout le monde qui était branché. Thank you so very much. Je connais que taxes sont bagaille qui assez complexe et que nous commençons à me dire nous son bagage chaque année gain nouveau loi gain nouveau changement même moi comme comptable c'est pas un bagage moins jambe qu'a dit moins complètement connaît mais chaque année nous préparer nous pour nous connaître qui changement qui gagne et qui avantage moun nan k'ap vinn cette taxe ka joine nan men IRS. Nous connaissons que nous vivons un moment qui n'est pas facile pour nous. Pas vrai? Financièrement, année sa yo 2020-2021, n'est pas facile pour nous. Mais, attendez, si que ou t'as fait, ou t'es travail, ou t'es payé taxes, vini joindre nous, vini ouais, est-ce que vous avez un refund? Pas vrai? Refund, non, son bagage que pays a accepté, gouvernement pays a accepté, son bagay qui stimule l'économie. Le moun nan jwenn on 3000 dollars, moun nan jwenn on 7000 dollars, gen moun ki jwenn, gen moun ki vin fè tax avèm ki jwenn on 10000 dollars. L'argent sa moun nan gen jwenn nan, se avèl li ka lache ton nouveau machine, se avèl li ka fè investissement, se avèl si le besoin achete ton kay, ou konprann li ka utilize kòb la pou un down payment. Et gouvernement comprend ça. Donc, pas fait être dû, même si que ou anti-jean pas comprendre tout système nan, vini, faire rendez-vous avec nous, ou nous connaissons gen coronavirus, ou ka fè rendez-vous à nos Zoom, ou ka fè rendez-vous à nos StreamYard, nous ka fè rendez-vous à nos FaceTime, j'en vle là, moins sans problème. OK, et si vous voulez venir dans l'office là, ou ka vini, office nous, c'est dans 685, North 10, 126 Street, North Miami, 33161. Numéro de téléphone, nous, c'est 305-735-2105. Pour moun kap viv dans l'autre pays, ou besoin WhatsApp nous, ou ka WhatsApp nous, nan 347-734-5295. Son te resisite le nan tep mwen, ok? So 347-734-5394.
OK? Si vous voulez connecter avec moi dans DM ou ka Instagram, c'est Instagram nan ki pi facile parce que moi checker souvent et sou gon question nous ka répondre question. Nous connaît que et office là nous non moment qui très très busy. Donc si que vous voulez faire un rendez-vous avec nous, li mieux pour faire ti investissement pour faire rendez-vous avec nous pour nous ka bo réponse à toutes questions que pour mande yon question de questions sur Instagram. OK, encore c'est Dr Naomi Bleumier. I am the co-host for Innovation Zone. C'est vraiment yon plaisir pour moi là pour nous partager, pour nous grandir et si possible pour nous évoluer ensemble. Merci la mode. Moi saluer nous, moi remercier nous et à mercredi prochain pour une prochaine émission Innovation Zone. Nous souhaitons que nous apprécions show, si nous apprécions suivre nous et sur YouTube et puis pour nous capable prendre information, pour nous capable apprendre, comprendre ça qu'a fait dans le monde entier, parce que ça son show d'éducation en technologie, son show qui pour apprendre, comprendre et à soi à la main sûr que nous comprenons le système. En tout cas, wall nous dans système nan mieux que nous te comprendre ni gen une heure temps. En tout cas, moi-même moi comprendre ni mieux et moi remercier Dr Naomi Bleumier pour ça et moi saluer et Skylight Films qui l'a tout qui a voyé monter, qui a frappé, OK, qui a ba nous bonne image. Moi remercier tout le monde qui contribué à émission ça et moi ba nous rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour nous parler de métaverse. Ça va dominer le monde journée aujourd'hui. On va avoir deux invités de marque pour émission ça. Mais saluez-nous, mais remerciez-nous et puis à la prochaine.